les cavaliers, je m'appelle Emma, j'ai un poney Roméo et aujourd'hui je vais vous présenter des produits qui pourraient vous intéresser que j'ai acheté récemment. Allez, c'est parti! Alors, le premier produit est un produit que j'ai acheté sur la boutique Ekibao. Donc je l'ai commandé sur internet. C'est le Magic Purple Lotion. Comme ceci, qui se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce produit, mais c'est un soin anti-tache jaune. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que ça dit rapidement. Aux protéines de soie, c'est un spray, comme vous pouvez le voir. Neutralise les taches jaunes sur les chevaux gris, sur les queues, crinières, balsames et autres marques blanches. Ne nécessite pas d'eau sans rinçage. Odeur florale très agréable, ça c'est vrai. Tous les produits que je vais vous présenter, je les ai déjà utilisés parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai et que j'avais pas eu l'occasion de vous en faire une vidéo. Donc je l'ai utilisé une fois ce produit-là sur mon poney qui est gris. Si vous ne le savez pas, j'ai une vidéo présentation de Roméo sur la chaîne. En fait, on spray ça sur le poney. Le poney devient bleu-violet, c'est un peu effrayant. Ensuite, on brosse énergiquement et en fait, ça va blanchir la robe. Moi, je trouve qu'il fonctionne. C'est un produit qui fonctionne pour moi, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant, il faudrait que je l'utilise davantage. Honnêtement, alors c'est un produit aussi qui coûte une vingtaine d'euros, donc enfin, même peut-être plus, même assez cher en fait. Si vous voyez, c'est pas enfin, la bouteille est quand même assez grosse, mais tout de même. Pour les personnes qui ont des chevaux gris et qui sortent en concours par exemple, si vous avez les moyens, je vous le recommande. Parce que moi, j'ai constaté qu'il fonctionnait sur mon poney. En effet, ça le blanchit. Par contre, quand on a un poney gris, qu'il est en pâture et qu'il est entièrement jaune et sur des poils longs, c'est quand même fastidieux de le blanchir entièrement juste avec ce produit-là. C'est pas aussi efficace qu'une douche, on va dire. Si vous souhaitez retrouver les liens de tous les produits que je vais vous montrer, je vais les mettre en barre d'infos, juste en bas. Comme ça, vous pourrez les retrouver plus facilement. À présent, je vais vous présenter des produits qui viennent d'une boutique qui s'appelle Arbalou, que j'ai découvert au salon du cheval l'année dernière. Premier produit de chez Arbalou, c'est le spray répulsif. Arbalou spray répulsif à base de principes actifs naturels, géraniol extrait de lavande, éloigne efficacement tous les types d'insectes. Donc à pulvériser à 30 cm sur le corps du cheval. La formule contient un agent filmogène garantissant une durée de protection de plusieurs heures. C'est ce qui est stipulé sur la bouteille. J'ai acheté ça, j'ai passé une commande récemment sur leur boutique en ligne parce qu'ils ont une boutique en ligne. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc j'ai passé commande pour ce spray répulsif parce qu'on arrive à la saison des insectes. Mon poney vit en pâture, il est dermiteux. Donc il me fallait un spray répulsif. Je l'ai pour l'instant essayé très peu. Il semble fonctionner. Mieux ou moins bien qu'un autre moins cher, je ne sais pas. Parce que encore, on a là encore un produit coûteux dans les une vingtaine d'euros. Donc il y a des sprays répulsifs moins chers. Est-ce que son prix est justifié? J'aurais du mal à vous dire puisque pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup. On n'est pas encore en pleine saison insectes. Donc dites-moi si par exemple vous souhaitez qu'à la fin de l'été je vous fasse par exemple une vidéo sur les indispensables de l'été, dont le spray répulsif bien évidemment. Et donc je pourrais vous faire une petite revue sur ces produits là si j'ai trouvé qu'ils ont vraiment bien fonctionné et s'ils valent leur prix. Ensuite, prochain produit, on va être sur un complément alimentaire. Le voici. Aussi de la boutique Arbalou que... alors ce pot là, je l'ai acheté directement sur le salon du cheval. Mais j'en ai refait une commande là récemment sur leur site. Donc ce produit, c'est le Arbalou Dermacalm, spécialement formulé pour soulager les irritations cutanées chez le cheval. Les dermites sont particulièrement présentes pendant la saison estivale et induisent des besoins nutritionnels spécifiques. Ça se présente en fait sous forme de granulé et il y a une petite dosette à l'intérieur. Et donc en fait c'est, ça sent super fort, c'est 2 doses par jour, donc dans la ration, où moi mon poney n'a pas de ration, je lui donne comme ça et il le mange.
J'ai commencé ce traitement-là depuis à peu près 3 semaines, je dirais. Pour l'instant, mon poney n'a pas encore commencé à se gratter. Après, quant à l'efficacité du produit, je ne pourrais pas vous le dire avant mai, parce que l'année dernière, c'est à cette période-là qu'il a commencé à se gratter. Donc pour l'instant, est-ce que ça a vraiment soigné sa dermite ou pas? Est-ce que ça l'aide ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Mais pour les personnes propriétaires de dermiteux, si vous souhaitez que je vous en fasse une revue plus tard, quand j'aurai testé vraiment son efficacité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai vous en parler davantage. On est là aussi sur un produit coûteux, ce pot-ci qui fait à peu près une trentaine de jours, donc on va dire un mois de traitement, coûte 50 euros. Ensuite, troisième produit de la boutique Arbalou, là on est sur le Arbalou démêlant, donc à l'huile d'amande douce pour la crinière et la queue. Le démêlant facilite l'entretien des crins en les gainant, enrichi à l'huile d'amande douce, il améliore la beauté de la crinière et de la queue. Alors, ce démêlant, on est là aussi sur un produit peut-être à 18 euros, je crois. Oh, tous les liens seront en barre d'infos, donc pour avoir accès au prix. Alors, honnêtement, ce produit, ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Je l'ai acheté aussi au Salon du Cheval, il me semble. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De une, il sent très bon. De deux, il est vraiment efficace pour moi. J'en mets une fois par semaine à peu près. Et les crins restent très faciles à démêler sur plusieurs jours. Mon poney vit en pâture, hein, je le rappelle. Ses crins sont beaucoup plus doux, beaucoup plus beaux. Lui qui a de la dermite, la qualité de ses crins, parfois c'est une catastrophe. Ça m'a vraiment aidée. Personnellement, je le recommande et je pense que je le rachèterai. Et dernier produit de ce petit haul, on est sur le produit Vita Rock, Vita Fourchette, ce petit produit-ci. Donc en fait, c'est un gel de couleur verte. J'ai aussi acheté ce produit au Salon du Cheval sur le stand de la boutique Arbalou. Vous pouvez le retrouver sur leur site internet aussi. Fourchette pourrie, fourchette molle, période humide. Vita Fourchette est un gel réparateur pour les fourchettes et les sols abîmés ou pourris. C'est à base de vinaigre de cidre, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, vitamine E, des huiles essentielles. Alors ce produit, je l'ai utilisé cet hiver, donc je ne l'utilise plus parce que nos sols, avec le temps qu'on a eu récemment, ont énormément séché. Donc les sabots aussi, donc il n'y a plus besoin de ce produit. C'est un produit qui sent très fort. Je ne saurais pas dire quoi, ça me rappelle un peu l'odeur de certains goudrons. Goudrons de Norvège, vous voyez. Alors c'est pas un produit miraculeux à mon goût, c'est pas un produit extrêmement cher non plus il me semble. Mais honnêtement, pour mon poney qui vit en pâture, je l'ai dit au moins 10 fois ça, je pense que là vous l'avez retenu, qui est donc sur des terrains humides l'hiver, genre grosse gadoue, et bien ces fourchettes n'ont pas pourri. On va dire qu'elles ont ramolli, mais honnêtement ça a vraiment diminué les dégâts. Donc ce produit peut être utilisé en traitement quand vous avez la fourchette pourrie, ou en prévention pour être sûr que la fourchette ne pourrisse pas. Ça y est, je vous ai présenté tous les produits que j'avais à vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu, que les produits vous ont intéressé. Si jamais vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !